c'est tout l'inverse. C'est vrai, justement, la religion, c'est un domaine privé. Et nous, c'est tout ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'il y a de choquant à ça? C'est domaine privé. Où ça? C'est inscrit tout. C'est inscrit où? Ah ben ça c'est la laïcité, c'est la discrétion religieuse. Non. Mais c'est, non. Où ça sur la laïcité? Vous faites des études en droit, je crois. Donc je vais vous demander où ça? Loi 1905? Mais attendez, sur la loi de 1905, catholique, elle est juste sur. Non. Répondez à ma question. Il n'y a pas de des faits, des chiffres, la loi. Concrètement, pardonnez-moi. Je suis catho. Mais attendez, laissez tout le monde parler. Vous nous expliquez que la laïcité, c'est la discrétion dans l'espace public, et c'est exactement ce que votre candidat a dit. Bah oui. Très bien. À quel titre? Loi 1905? Est-ce que c'est inscrit? Dans quel article? Bah c'est le problème. Oui ou non? C'est le problème. Oui ou non? Il n'y avait pas de mouvement oui en France à ce moment-là. Oui ou non? Non. Non. Oui ou non? Non. Très bien. La Constitution? La Constitution? Des musulmans? La Constitution? Est-ce que c'est inscrit dans la Constitution? Justement, c'est le non. Non plus. C'est ces gens-là qui n'ont pas pris en compte à ce moment-là. Dans la Commission? Mais non, mais européenne des droits de l'homme. Alors juste en les gens. Non, c'est important. Juste. Oui, mais si vous parlez en même temps, c'est comme si on faisait rien. Excusez-moi. Si je peux juste prendre deux secondes, parce qu'à chaque fois, on laisse dire des choses. Et Stanislas vous répond, mais un par un. On laisse dire des choses extraordinaires sur ce qu'est la laïcité. Et je crois que, pour le coup, si on peut un tout petit peu dire aux auditeurs ce qu'est la laïcité, ça permettra de comprendre. Après, on a le droit d'être pour ou contre le voile, peu importe. Mais dire que la laïcité, c'est la discrétion dans l'espace public, c'est une totale erreur. Et c'est en quoi? Et c'est ce. Non. Donc, Patrick, s'il vous plaît. Expliquer que votre femme est une bonne musulmane parce qu'elle ne porte pas le voile, c'est tout aussi une bêtise. Vous m'allez pas laisser. Non, mais c'est une bêtise. Si on prend juste. Attendez, il est 24. Je terminerai. C'est juste l'article 1 de la Constitution. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Si on reprend exactement la même chose sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 10, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Porter un voile n'établit pas un trouble à l'ordre public. Et enfin, la Convention européenne des droits de l'homme à laquelle on souscrit. L'article 9, je suis désolée. C'est insupportable. Je suis désolée. Depuis tout à l'heure, vous criez fort et personne. Merci. Arrêtez, donc, je suis désolée, mais aujourd'hui, la liberté de manifester sa religion et sa conviction individuellement et collectivement en public ou en privé, ça, c'est la Commission européenne des droits de l'homme auquel on souscrit. Stanislas vous répond et embrasse les gens après. Oui, non, mais vous n'allez pas vous monopoliser à pareil. D'accord, mais il vous répond. C'est important de le dire. Et il vous répond. Ce n'est pas ça. Laissez-le répondre. Attendez. Deux choses l'une. Non seulement j'ai pas parlé de loi. Ah, vous dites c'est ça, la laïcité. Deux choses l'une. Non seulement j'ai pas dit c'est une loi. Et deuxièmement, vous avez pas défini du tout la laïcité dans ce que vous venez de dire là. Vous avez lu, et c'est très bien, bravo à vous, des articles. Et d'ailleurs, relisez le tout premier pour voir. Non, alors on va pas faire un dernier exercice de lecture. Juste embrasse les gens. Attendez. La séparation des églises et des États. C'est le problème. Mais très bien. La neutralité. Et si vous parlez tous en même temps, on n'entend rien. Mais en fait, moi je suis évidemment d'accord avec l'idée que la laïcité. C'est la liberté de croire ou de ne pas croire. Mais en fait, il n'y a rien de contradictoire. C'est la liberté de culte également. Attendez, culte, oui. Bah oui, en fait, le culte, c'est dans une mosquée, c'est dans une synagogue, c'est dans une église. Non. Bah, c'est pas dans la rue, en tout cas. Une pratique religieuse, ça peut être par exemple le port d'un signe religieux. Et ben justement, c'est en contradiction avec la discrétion religieuse. Laissez-le répondre, à chaque fois qu'il vous la bouche, le pauvre. Merci, c'est gentil. C'est bon? Et en plus de ça, vous parlez de liberté. Mais le nombre de femmes à qui on contraint le port du voile, on en fait quoi de ces gens-là? On en fait quoi de ces gens-là, madame? Non, parce que c'est amusant, mais en fait, vous essayez deux visions. Vous êtes en train d'essayer de me faire tomber dans un piège. Mais il n'y a aucun piège. Vous tombez tout seul dans votre propre piège, c'est-à-dire le fait de trahir ce que c'est que la laïcité. La laïcité, vous me dites, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. Oui, c'est également la liberté de culte. Et c'est la liberté, et c'est aussi la discrétion religieuse. Non, et le voile. La discrétion religieuse, ça se sent. En fait, quand je vois une femme, je sais qu'elle est musulmane, madame. Non, mais ça, c'est ce que vous rajoutez, en fait. La discrétion religieuse, ça n'existe pas. C'est un concept que vous voulez imposer. Les femmes voilées, en tout cas. Mais ça n'existe pas. Et donc, vouloir, en fait, la neutralité, en réalité, elle s'applique à l'État. Elle s'applique à l'État et à ses agents, d'accord? Et aucunement, en fait, aux citoyens. Le citoyen, il a le droit de ne pas être neutre, tant dans l'espace public que dans l'espace privé. Et donc, la liberté de culte, c'est aussi la liberté de porter un signe religieux. Porter une kippa dans la rue, c'est autorisé. Porter un voile dans la rue, c'est autorisé. Porter une croix, c'est autorisé. C'est la définition stricte, en fait, de ce que c'est que la laïcité. Alors, vous avez le droit de la travestir, mais il faut faire juste la différence entre voilà ce qu'est la loi, et pas mentir aux Français, et voilà comment nous, on aimerait la changer. Allez, mais il ne faut juste pas mentir. Non, mais il ne faut pas mentir. Rosa Méziane, en avance, je voudrais juste avoir votre action.